Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter un bon long week-end de Pâques. Un bon dimanche de Pâques. Il est actuellement dimanche et j'ai décidé de filmer ma journée pour vous la partager. Car énormément de gens me l'ont demandé en commentaire de me filmer ma première journée de confinement. Donc, c'est décidé, nous allons partir aujourd'hui faire une balade de Toulouse, pas de Toulouse, mais une balade en vélo dans les 10 km autorisés par Monsieur Emmanuel Macron. Donc c'est parti, nous allons faire ça bien sûr seul, en vélo, et c'est juste après le générique. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette escapade en vélo, vous avez besoin de beaucoup de choses. Il faut se préparer au pire, comme pour le bien, comme pour le mal. Donc, vous allez avoir besoin, avant de partir, à manger. J'ai fait un petit sandwich énorme avec des œufs, des tomates, des avocats, une mandarine, une banane, de l'eau, des bougies à la citronnelle, plus le briquet qui va avec. Et bien sûr, pour les lecteurs, un livre. Un livre. Donc voilà, et bien sûr une petite nappe pour mettre en bas pour pouvoir s'allonger et profiter du soleil car il fait beau à Toulouse. Toulouse, la plus belle ville de France. Les amis, là, nous arrivons sur le sentier qui est terreux. Est-ce que vous êtes prêts de voir ça? Même si c'est pas exceptionnel, c'est super sympa. Regardez la Garonne. Ce qui se passe là maintenant, c'est je vais vous montrer un endroit super sympa. C'est un bar, je pense pas clandestin, mais c'est un bar ouvert en été. Voilà. Attention. Donc c'est parti. Heureux les amis. En fait, je vous explique, on est arrivé au fameux bar clandestin, du moins de ce qui reste. J'ai complètement oublié que ça a été retiré, je sais pas, par la municipalité ou quoi. Donc voilà. Je vais pas montrer les images, mais je vais essayer de trouver des photos pour vous mettre un peu de ce bar qui était avant. Ciao. Les Kikinou, là j'ai trouvé un endroit trop stylé. Ça fait un peu une sorte de plage. J'avoue que il y a beaucoup de bestioles, mais bon, voilà, je vous montre ça.
c'est l'heure du goûter, du pique-nique. Donc je vais m'installer un petit endroit par là, face à la Garonne. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voulez manger avec moi une banane? Non. Regardez ça. Des œufs, des tomates, de l'avocat et du pain complet. Miam miam. Yum 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 yum. Ça fait tellement du bien de prendre du soleil. Il faudrait que je vous montre mon vélo. Attendez, 1, 2, 3. Le voilà, il est pas trop sexy, sexy, sexy ce vélo. Re, re les kikinous, je vous explique ce qui se passe. Je suis avec Napou qui est venu en vélo. Merci à tous d'être venus ce soir pour mon concert. Mae vaya oe a ori maena ma 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 ma. Tu me dis s'il y a des gens derrière là? Ma 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 ma. Tu veux pas qu'on le fasse? Ma 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 ma. Près de l'océan, on se retrouvera dans le partage et la joie. Ariona, et parataito, ok, il va vivre. Et ite oto, iaou, ini a, ite moana. Ahairima, namuria ou, are are atato. Ah. Re tout le monde, là vous avez eu Amoui et maintenant vous allez voir APP. Ok, vous êtes prêts? Un petit instant. APP, APP, Maite Tahuava, Itana, Ieva. Fanarahi, fanaipu, feaurahi, feauiti, tei, te mope. Je ne sais pas les paroles. Là, on va rentrer. Au revoir, petit spot. Regardez, c'est trop beau. His weed is on fire. Regardez ça, c'est trop sympa. Donc là, on vient de revenir, on avoue qu'il est super tard, il est 19h30, on est en train de prendre l'apéro.
manger parce qu'on va commander McDonald's. J'espère que ça va être rapide. Ciao. Les guys, on a craqué. Franchement, on a pris chacun une boîte de 20 nuggets. Regardez ça. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog. J'espère que vous avez kiffé. Je vous fais d'énormes bisous. On va manger. N'hésitez pas à laisser un petit pouce like, à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas fait.